Et hop, du coup, on repart. Comme je le disais donc sur la dernière session de ce soir, je pense. Nous allons voir à récupérer les papiers de Sofia. Est-ce que je pourrais pas, genre, contourner par là? Mais ce tas de foin n'attendait que moi. Alors, Datso. Et salut Yuan, comment vas-tu? Bon, où sont les papiers? Ah, j'aurais pas pu l'avoir. Quoi? Pourquoi cette capuche? Qu'a-t-il à cacher? Voilà. Ah. Et on chope le succès, la faucheuse. Du coup. Évidemment, ça va être le dernier. Ah, et salut Gamer91, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Et pas de soucis Luna, merci à toi d'être passé, je te souhaite une bonne nuit. Et à bientôt. Là il y a que dalle. Ah peut-être plus là-bas. Sofia Sartor. Perfetto. À moi. Échappez-vous du secteur et on va se barrer par là où on est arrivé tout simplement. Et on peut aussi aller par là si tu veux, oui. Du coup, je suis pas contrariant, hein. Tu vas où tu veux, Adio. Ouais, sauf que là, il va pas pouvoir monter, c'est ça? Ouais, le truc c'est qu'il va falloir retourner voir Sofia et Sofia elle est là-bas. Adio, adio. Voilà, merci. Et ça va très bien, Yuan, je te remercie. Hop là. Et hop là, une mission menée à 100%. Non mais gens, vous me recherchez là, je suis pas dans la zone les mecs. Hop là, non, pas par là. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Moi, allez! Aïe! Aïe! Moi, allez! Moi, allez! Aïe! Ah, ça me tait! Ah.
Ah non, non, non. Range ton flingue. Range ton flingue, j'ai dit. Oh, sérieux? Non. Bon allez, hop, 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 et hop là. Non mais... Voilà. Tueur implacable. On va en profiter. Nous devons aider. Salut. Et voilà. Non, Seigneur, je suis trop jeune, je peux pas mourir. Rends-moi mon argent, vite avant que les gardes là-bas arrivent. Quelle violence. Nous subissons la colère de Dieu. Hop là, on se casse. Je ne peux pas mourir. Elle est loin la boutique, non? Que je vois si je prends le tunnel ou pas. Ouais, je vais le prendre. Il y a une sortie juste à côté de sa librairie. Alors. Ah, on peut pas. D'accord. Au moins on le saura. Et voilà la boutique. Bonjour Ezio, alors? Madame Igella Sofia Sartor Libraia, Constantinopoli. Oh non, il est endommagé. Comment l'ont-ils mis dans un état pareil? Bien, elle a l'air intacte. Oh, magnifique. C'est une copie d'une carte de Martin Waldseemüller. Vous voyez? Les nouveaux territoires décrits par Messer Amerigo Vespucci. Pauvre Cristoforo Colombo. L'histoire s'écrit d'une étrange manière. Et que dites-vous de cette immense étendue d'eau ici? Un nouvel océan, peut-être. La plupart des érudits que je connais pensent que la taille du globe est sous-estimée. Incredibile. Plus nous en apprenons sur le monde, moins nous le comprenons. Bien. Vous avez tenu parole. À moi d'honorer ma promesse. Si nous avons vu juste, ceci vous indiquera l'emplacement du premier livre. Oh. Je vous avoue que je rêve du jour où je verrai enfin ces livres. Toute cette sagesse que le monde a perdue, nous devons la lui restituer. Je pourrais en imprimer quelques exemplaires et les faire circuler. Une petite cinquantaine, ça devrait suffire. Pourquoi ridi? Pardonnez-moi, votre passion est si noble et originale qu'elle m'emplit de joie. C'est même exaltant. Grand Dieu, que répondra cela? Grazie, Sofia. Je reviendrai. Elle est à fond dans son truc, hein, écoute. Viens nous affronter. Wow, 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 hé, hey, lâche-moi, toi. Oh, ce réflexe! Ah là, c'était un gros coup de réflexe! Et du coup, il y avait un livre. Là. Bon, on va y aller, tout simplement. Je regardais un petit peu ce qu'il y avait sur la carte. Allez, go! Se donne en spectacle. Et oh,
Adio. Alors... Là... Non... Plus haut peut-être. Ah oui, peut-être. Voyons voir ça. On va voir si c'est bien en haut. Allez, ça va plus vite en faisant comme ça. Ah, là, je pouvais pas. Hop là. Ah ok, tout là-haut, j'avais pas vu. Hop là. J'ai. Alors, Niccolò Polo a caché un livre près de Sainte-Sophie qui contient des indices sur l'emplacement d'une des clés de Massiaf. Utilisez le symbole de Polo pour le détecter. Trouver. Retrouver le livre. Pour la descente, on s'en occupe comment là? On va faire la... On va descendre à la main. Parce que de toute façon, même si je saute, faudra que je redescende ensuite, que je remonte juste après. Donc autant descendre comme ça. On va attendre d'être collé au mur. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc. Utilise le parachute. Ah, c'est vrai, j'y ai pas pensé. J'avais même complètement oublié qu'on avait ça. Hop. De toute façon, le parachute, c'est un truc que dans le 2, enfin dans le Brotherhood, j'ai jamais utilisé. Donc, j'y pense pas. C'est le genre d'item auquel je ne penserai pas du tout, de toute façon. Ok. Tour de Galata débloqué. What? Alors ensuite, c'était quoi le deuxième truc de livre qu'on a là? Il est où? Ah, il est là. Bon bah... On va retourner au... Au QG. J'ai peut-être dû me marquer un tunnel. Alors, le QG, il est là. Et du coup, on va pouvoir aller voir le bouquin. Enfin, le
La mémoire de Sophia, j'imagine qu'elle est par là. Non, peut-être. Pas là en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas monter ici. C'est vrai qu'on ne peut rien escalader dans le QG. Par là peut-être. Est-ce qu'il y a un chemin à droite? Non. J'étais sûr que j'allais m'y perdre ici de toute façon. C'est pas là. Bon, c'est bien dans le repère, non? Ah oui, mais non, je vais pas pouvoir avoir de carte de la zone de l'intérieur. On va voir vite fait, on va faire un tour rapide. Bah non, là-bas c'est les armes. Ah tiens, du coup il y aura 1, 2, 3, 4, 5 armures en tout. Ok. Bon, on va aller voir dehors. Hein. Ok, Sephiroth, bonne nuit à toi. Merci d'être passé. Ah oui, évidemment, pour une fois, il est dehors. Sinon, c'est pas drôle. Je me demande ce que... Hop. Là. J'aimerais bien pouvoir mettre la caméra de façon à voir un petit peu plus haut, par contre. Ça aurait été bien. Parce que là, à part trois fenêtres, on y voit que dalle. Hop. Hop là. Toujours plus haut. Encore et toujours plus haut. Prendre le coffre avant d'y aller. Alors. Qu'est-ce que va être que ça va être donc que ceci? Ok, donc c'est ce qui remplace apparemment les tombeaux, de ce que j'en vois. Alors, les polos ont laissé un indice qui a mené Ezio à la tour de Galata. Fouillez la zone, mais soyez prudent. En moins de 6 minutes. Ok, donc on l'aura pas. T'as vraiment des idées débiles, Ezio. Hein. Wouhou ! Aïe ! Aïe, aïe ! Mais heureusement, c'est exactement là qu'on voulait aller. Voilà. Assez impressionnant comme endroit, je dois dire. Je reconnais. Wouhou !
Montez là. Donc, montez là. C'est pas vraiment là que je voulais aller, mais bon. J'ai oublié d'appuyer sur le crochet. Idiot, de la chance dans la malchance. C'est exactement ça. Il est un peu comme moi en fait. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait une corde. Au cas où en bas il y a de l'eau. Quelle veine. Ok, c'est pas de l'eau en fait. Juste de quoi y tremper les pieds. En fait, fallait pas sauter. Bien sympathique la musique, n'empêche, au passage. Hop là. Ah non. Et tout ça avec style. Parce qu'il faut pas déconner, c'est Ezio quand même. Là. Non, pas par là. Ah bah y a une corde là, j'avais pas vu. Oh. Allez, nous on s'en fout du courant, nous. Hop là! Le courant, c'est pour les faibles de toute façon. Hop là! Ah non? Ah non. Hop là, hop là, hop là, hop, j'en profite, on se gratte le nez vite fait. Toujours la chance dans la malchance, hein, toujours. Voilà. Oh. Le mec vient de se manger une bûche dans les dents, mais non, tout va bien. Tu as remarqué l'entrée par la cascade et les signes des assassins? Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, je t'avouerai.
Oh, 1500. Ah. C'est vrai qu'il y avait 6 minutes à faire, c'est vrai. Ah là. Non? Ah si, là. Là. Non? Ah. La deuxième clé. Ce qui nous fait 2 sur 5. Cela dit, en moins de 6 minutes, on aurait pu le faire. On n'était pas loin. Le timer s'est fini, on était juste dans la salle juste à côté là. Ninja. 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 Faites pas attention à moi les gars, je fais que passer. Tout va bien, vous inquiétez pas. De la corne d'or. Si vous tombez dedans par accident, consultez un médecin qualifié au plus vite. Ceci est une... du coup. Ah, là par contre c'est au QG. Une pièce ou deux pour acheter un morceau de pain. Barre-toi. Wow, 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 wow. Faut y descendre plus vite que prévu là. Très impressionnant. Merci, merci. Salut. Ah, la banque. Tant qu'on y est. Bien le bonjour. Donne-moi mes sous. J'ai combien? 5000. Hop là. Je crois que nous sommes tous les deux satisfaits. Ouais, j'aurais espéré plus, mais bon. On va se satisfaire de ça. Alors. Qu'est-ce qui vous prend? Oh. Ce n'est pas un spectacle très réjouissant. Ah, mais... Quel démon a bien pu s'emparer de vous? Oui, bon, ça va. Les gars veulent te tuer quand tu sors des égouts, rien depuis AC2 en plus. Ah bah oui, sortir des égouts ça fait pas partie des actions répréhensibles. Je vois pas pourquoi ça le serait d'ailleurs. Quelle idée. Tu avais le pouvoir au creux de ta main. Tu aurais dû le détruire. Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades et ramener la paix. Jamais. Pardonne-moi, Mentor. Mais la pomme t'a corrompu. Et à travers toi, elle s'apprêtait à nous corrompre. Pour que nous puissions vivre, il fallait que tu meures. Ah, je m'y fais vraiment pas, la nouvelle voix d'Altaïr. Hein. Et à la nouvelle C'est tête vraiment aussi. Fini. Ce sorcier est-il mort? Ce n'était pas un sorcier, c'était un homme ordinaire entouré d'illusions.
Donc là, c'est est-ce que le bûcher juste après la fin du premier oui. Assassin's Creed. Hey. Altaïr, certains de nos frères refuseront de te laisser faire. Je m'en chargerai. Juste après la mort d'Al-Muwallim, à la fin du premier. Altaïr a tué son mentor Al-Muwallim, car celui-ci avait trahi les assassins. Assurez-vous qu'Al-Muwallim est bien mort et que les assassins comprennent pourquoi. Ne perdez pas plus de 3 points de synchronisation. Ok. Oh non. Es-tu en état de voyager ? J'en suis capable, oui. Malik est parti colporter la nouvelle de la mort d'Al-Muwallim à Jérusalem. Quel malheur. Je voudrais que tu en fasses autant à Acre. Bien sûr. Que se passe-t-il ? Ah oui, j'avais pas vu ma barre de vie. Mon esprit était limpide, mais mon corps refusait de bouger. Ok. Notre mentor aurait-il causé ce cas ? Eux vont m'attaquer. Ah non. Là, il semblait avancer d'un pas décidé vers moi, genre je vais te péter la gueule. Mais même pas. Mais que s'est-il passé ici ? Notre mentor nous a menti. Les Templiers l'ont corrompu. En as-tu la preuve ? Accompagne-moi, Abbas, et je t'expliquerai. Tes réponses vont devoir me convaincre. Je parlerai jusqu'à ce que tu sois satisfait. C'est pas sa voix et pas son visage original, c'est moche. Robert de Sablé ouais. Dans le temple de Salomon. Celui que tu devais récupérer, mais qui le fut par d'autres. Oui. Un instrument des Templiers. La pomme d'Éden. Elle forge des illusions et contrôle les esprits. Une arme redoutable. Alors, tu crois qu'Al-Muwallim a été ensorcelé ? Oui. Il a utilisé la pomme pour asservir Masyaf. Tu l'as vu de tes propres yeux. Je ne sais plus ce que j'ai vu. Écoute, c'est Abbas, facile, ça. Elle est en sécurité dans l'office d'Al-Muwallim. Quand j'en aurai terminé ici, tu auras toutes tes réponses. Altaïr ! Non ! Si. Je dois m'assurer qu'ils ne reviennent pas. Mais cela enfreint nos lois ! Nous n'avons pas le droit de brûler nos morts ! Mécréants ! Écoutez-moi ! Ce corps pourrait être un des fantômes d'Al-Muwallim. Je ne peux prendre ce risque. Mensonge ! Toute ta vie, tu n'as cessé de bafouer notre credo. Tu transgresses les règles à ta guise. Tu rabaisses et tu humilies tous ceux qui t'entourent. Attrapez-le ! Vous ne l'écoutez pas ! Al-Muwallim a été ensorcelé. Oh ! Salaud ! Aïe ! Bon. Eh ben on va se défendre ! Tu ne peux pas faire vaincre les gens, Zireur ! Eh bien... Pourquoi j'arrive pas ? Ah, quand même ! Je ferai ce que tu veux ! Laisse-moi m'occuper de ton cas ! Allez, lâche ça ! Merde ! D'accord, tu as gagné ! Lâche ça ! Ce n'est pas la peine de me tuer ! On peut s'arranger ! Pourquoi est-ce que vous jouez ? Lâche ça ! Ne t'approche pas de moi ! Lâche ça ! Libérez-moi ! Lâche ça. Je suis, ça suffit. Je suis désolé. Ma question que tu passes. Hop là. Non mais. N'avais-je pas raison, Altaïr ? Abbas ! Non ! Que pensais-tu provoquer en assassinant notre mentor bien-aimé ? Tu haïssais Al-Muwallim plus que quiconque. Tu le tenais même pour responsable du suicide de ton père. Mon père était un héros. Il est trop tard pour ressasser le passé. Nous devons décider quoi faire de cette arme. Quoi que cet artefact puisse provoquer, tu n'es pas digne de l'utiliser. Ah, et toi, oui, peut-être. Personne ne l'est. Oh, elle est magnifique, en effet. Ah!
Ah là 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 là. Ah d'accord. Allez, monte, monte, monte. Allez. Voilà. Hop là. Allez, tire ton truc. Voilà. Qu'est-il arrivé? Ils sont morts? Pardonne-moi. Je ne savais pas. As-tu des choses à nous apprendre? Ou bien provoqueras-tu notre perte? Ok. Et un petit 100%. Jamais compris le délire d'Ubisoft, genre de AC1. Dans AC1, le village d'Altaïr était le même que celui de Desmond, à quelque chose près, et là ils l'ont changé. Bah ouais. Puis pour le coup, ils ont même changé Desmond, donc. Je comprends pas le délire. Tout juste 26 ans, et déjà grand maître d'un ordre divisé. Comment peut-on vivre avec le poids de telles responsabilités? Et un pouvoir sans limite. Là est toute la question. Non, c'est pas par là. Pas par là. Si pas par là. Peut-être par là. Ah, y a pas de truc d'assassin ici? Tout pour les envoyer en mission, en fait, je cherche là pour le coup. Peut-être dans le bureau. Et je serais passé à côté. Ah, donc ça, c'est les livres qu'on va récupérer, j'imagine. Peut-être. Ok, là où y a rien. Je voudrais vous envoyer. Soit avec toi, mentor. Ouais, ouais. Je voudrais vous envoyer en mission, les mecs. Salut à toi, mentor. Bon, je sais pas. On fera ça de l'extérieur ou une prochaine fois. Ezio dit Altaïr déjà 26 ans et grand maître, tout ça, alors que lui-même est devenu assassin encore plus jeune sans l'avoir demandé. Ouais, mais il n'est pas devenu maître des assassins au même âge. Enfin, pour le coup, je comprends la remarque d'Ezio. Alors, réparons tout ça. Oh. J'achète. Et le plastron, j'achète. Il me reste 14 000. Tra. Oh, je ne pensais pas que vous aviez assez d'argent. Ouais, c'est dommage. Ça aurait été sympa de pouvoir changer la tenue d'assassin de sous l'armure, quoi. Parce que pour le coup. D'accord, elle est classe, mais je suis pas tellement fan. Au point de la garder tout le temps, pour le coup, quoi. Combien ça coûte? 27 000, d'accord.
MBFN de 10 secondes. N'ayez aucune crainte. Laissez-moi vous soigner. Il va finir par se tuer. Oh. Ubisoft emmerde la cohérence. C'est ça. Je pourrais pas y aller là. J'aimerais bien aller chercher le truc là-haut. Alors, localiser les symboles, tout ça, tout ça. Il était vachement dur à trouver celui-là. On doit peut-être pouvoir changer la couleur, Tina. Faut qu'on passe voir l'intérieur. Allez, fouillons. Du coup, on récupère le deuxième livre? Ou pas? Les mille et une nuits. Est-ce qu'on doit récupérer un deuxième livre là, du coup? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Alors du coup, si on allait acheter le tailleur, qui est juste à côté. Le parachute. Ouais, mais... J'y penserai pas de toute façon, parachute. Je l'ai jamais utilisé dans Brotherhood. Et là... La seule fois où je l'ai utilisé, c'est parce que c'était scripté par la quête. Ah non, c'est là. Donc, très sincèrement, je vais vraiment pas y penser. J'ai également de nombreux accessoires. Alors, est-ce qu'on peut au moins changer la couleur ? Teindre. Allez, on va partir sur l'indigo. Le parachute, c'est la ville, est tellement bien que je l'ai jamais utilisé non plus. Ah bah voilà. Allez, on va rester comme ça. On changera de couleur un de ces quatre. Qui peut résister au confort de la véritable capitale ? C'est mieux que le gris moche. Non, pas là-bas. Ah non, si. Je peux vous être utile, monsieur ? Oui. Oui, oui, oui. Article. Remède. J'en veux tout plein. Encore. Voilà, merci. Amélioration de poison, forêt ou... Vous devriez vous sentir mieux. Mais soyez prudent. Je vous en prie. Aidez-moi. Trouvez l'homme qui m'a fait ça. Je devrais vous emmener voir un médecin. Non, il est trop tard. L'homme qui m'a attaqué recherche ma femme et ma fille. S'il les trouve, Dieu sait ce qu'il leur fera. Si pour vous la justice a un sens, mon ami, ne laissez pas ce monstre faire du mal à ma famille. Non. Ah et du coup on se tape un chargement, c'est ça? Grimoche peut-être, mais c'est le gris de l'expérience et de la sagesse. Ou alors c'est juste un grimoche.
Bon, en fait, pour le coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette session de jeu. Vu l'heure, on va peut-être en refaire une juste après. Mais pour l'instant, on se dit à dans 5 minutes.